Bonjour à tous, je vous propose un tour avec 4 jokers et avec un jeu de 52 cartes. Je propose à 4 spectateurs de choisir chacun une carte. 1, 2, 3 et enfin 4. Je vais vous montrer les cartes, d'accord? Nous avons le valet de cœur, le 6 de carreau, le 9 de carreau et enfin le 2 de cœur. Je donne ces cartes à signer aux téléspectateurs. Les 4 jokers sont donnés aussi à l'examen, tranquillement. Une fois que c'est fait, que les cartes sont bien signées, je reprends les cartes et je vous les remontre, d'accord? Et à l'aide de mes jokers, je vous propose de rentrer dans un univers un peu spécial. Regardez plutôt. Je vais prendre les 4 jokers et je vais les placer à des endroits très stratégiques. Le premier, je le mets dans ma poche gauche. Le deuxième, dans ma poche droite. Le troisième dans ma poche intérieure et enfin le dernier dans ma poche, vous avez compris, gauche. Mais rappelez-vous, ici, il y avait quoi? Là, il y avait vos cartes. Regardons plutôt. Des cartes signées. Mais grâce au pouvoir des jokers, nous allons rentrer dans un monde un peu parallèle. Il suffit simplement que je prenne vos cartes signées, que je les passe à l'endroit stratégique où ont été placés les jokers pour que les effets commencent. Maintenant, si je compte les cartes, nous avons un joker qui vient d'arriver. Premier joker. On y va pour le deuxième? Simplement, en recomptant les cartes, deux jokers viennent de passer. Pareil pour le troisième. On attend un petit peu. Si on regarde, troisième joker. Pour la dernière carte, c'est pareil. On attend un petit peu. Et si on recompte les cartes, nous n'avons plus que des jokers. Je vous remercie beaucoup, mes amis. J'espère que ça vous a plu et que je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Non, vous voulez peut-être en voir un peu plus, c'est ça? Parce que vous vous dites, ouais, les jokers, c'est bien, mais où sont les cartes? Bougez pas. Dans ma poche gauche, qu'est-ce que j'ai? J'ai un 2 de cœur, tiens. 2 de cœur, ce serait pas la carte du premier spectateur? Dans la deuxième, j'ai quoi? J'ai aussi un 9 de carreau, je crois que ça fait partie du deuxième spectateur, non? Ok. Troisième, allons-y pour la troisième. Yes! Valet de cœur. Et enfin, la dernière carte qui est dans la poche, juste à droite, rappelez-vous. Et yes, 6 de carreau. Voilà, le pouvoir des jokers. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de laisser un petit commentaire en bas. A bientôt mes amis. Au revoir.